بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله سبحانه وتعالى، وخير حديث محمد صلى الله عليه وسلم، والشرار مهم محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضرارة، وكل ضرارة في النار، والعياذ بالله. أما بعد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوة أخوات، on reprend والحمد لله ce soir l'authentique des récits des prophètes. On avait terminé Issa walhamdulillah, puis on a fait un cours. Il a suffi d'un cours pour traiter l'histoire de Yunus, parce que il n'y avait que ça qui était rapporté dans le livre d'Ibn Kathir à son sujet. Naam, alayhi salam. Donc on entame, inshallah ta'ala, l'histoire d'un nouveau prophète. Naam. Et ce qui avait été décidé, c'était qu'on partait sur le récit de Noé. Alayhi salam, qui va être donc beaucoup plus longue dans le nombre de cours que l'histoire du précédent de Yunus. Naam. Mais je pense un peu moindre que celle de Issa. Wallahu a'lam. Je regarde Salih. Naam. Nous, on a. C'est ça. On a peut-être une. Là, c'est Houd. Non, voilà. On a 55 pages. Quelque chose comme ça. Peut-être en 5-6 cours. On aura terminé son histoire. Allahu a'lam. On la débute dès maintenant. Bismillah. Par sa généalogie. Le prophète Noé. Naam. Noé en français. Qui a prêché pendant 950 années à Tawhid. Naam. Le premier, d'accord, à avoir, comme ça, appelé son peuple à se faire aussi rejeter. Naam. Et avoir une da'wa si longue. Une da'wa si longue. Précurseur donc dans la da'wa au Tawhid. Sa généalogie. Il s'agit, en français, de Noé, fils de Lamech, fils de Mathusalem, fils d'Enoch, fils de Jared, fils de Marilel, fils de Kenan, fils d'Enoch, fils de Seth, fils de Adam. Mais nous, ce qui nous intéresse en arabe, il s'agit de Noah, Ibn Lamak, Ibn Matushalash, Ibn Uhnur, Ibn Yarad, Ibn Mahlalil, Ibn Qinan, Ibn Unush, Ibn Sheith, Ibn Adam, le père de l'humanité, Adam. Naam. Nous descendons tous d'Adam, et donc les prophètes également. Donc on viendrait tous à un Ibn Adam, toi et moi. Ibn Adam. Forcément. Là. Voilà la lignée, la généalogie de Noé. Alayhi salam, le laps de temps entre Noé et Adam. Noé et Adam, combien il y a de temps entre les deux? Noé, il naquit 126 ans après la mort de Adam. Adam, il meurt.
Et 126 ans plus tard, voilà que Nuh naît, comme l'ont rapporté Ibn Jarir et d'autres. D'après la généalogie établie par les gens du livre, c'est 146 ans qui se seraient écoulés entre la mort de Adam et la naissance de Nuh. Abu Hatim ibn Hibban, ou plutôt Abu Hatim ibn Hibban, excusez-moi, rapporte qu'il y a eu entre 10 générations. Et il rapporte, d'après Abu Umama, qu'un homme demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam, « Ya Rasulullah, Adam était-il un prophète ?» Oui, il a reçu la révélation. Et combien de temps entre lui et Nuh ? 10 générations. Rapporté, pardon, Ibn Hibban, Naam, et authentifié par Cheikh Al-Albani. Ibn Abbas, radiallahu anhu, il rapporte, entre Adam et Nuh, 10 générations, Naam, toutes sur l'islam. 10 générations entre eux, toutes sur l'islam. De même, authentifié par Cheikh Al-Albani. Donc si une génération désigne une durée de 100 ans, comme le pensent beaucoup de gens, 1000 ans les sépareraient. Cependant, cela n'exclut pas que cette période soit plus importante si on considère le lien qu'a établi Ibn Abbas entre ces générations et l'islam. Il peut en effet y avoir eu d'autres générations après elles qui n'étaient pas sur l'islam. Il a dit 10 générations, toutes sur l'islam. Mais il se peut qu'il y ait eu des générations qui n'étaient pas sur l'islam. Mais le hadith d'Abu Umama montre qu'il y a eu 10 générations. Et Ibn Abbas ajouta qu'elles étaient toutes sur l'islam. Ceci réfute la thèse de certains historiens parmi les gens du livre, prétendant que Qabil et ses enfants ont adoré le feu. Naam, et Allah est plus savant. Mais le terme génération peut aussi désigner une génération d'hommes. Comme il est dit dans la parole d'Allah Ta'ala, que de générations avons-nous exterminées après nous ? Ou encore, dans le sens, puis après eux, nous avons créé d'autres générations. Ou encore, et de nombreuses générations intermédiaires. Et enfin, combien de générations avant eux avons-nous fait périr ? Surat al-Isra, Mu'minun, Furqan, wa Maryam. Ou encore, il se peut que ce soit dans la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la meilleure des générations est la mienne. Naam, comme dans le hadith rapporté par al-Bukhari wa Muslim. De plus, avant Nuh, alayhi sallam, une génération vivait de longs siècles. D'accord ? Avant Nuh, et jusqu'à son époque aussi, puisqu'on dit qu'il a prêché pendant 950 ans de tawhid. Aujourd'hui, ça nous semblerait aberrant qu'une personne puisse vivre autant. C'est impossible, c'est inconcevable. Les gens, Naam, n'ont pas toujours eu la même condition. Les générations qui ont précédé, Naam, n'ont pas toujours eu notre mode de vie, nos conditions de vie. Et en taille, c'est-à-dire en formation, la taille de la personne, sa corpulence, Naam, on rapporte les gens, Naam, j'irai plus de 4 mètres ou des choses comme ça, Naam, parmi les choses qui sont rapportées, plus ou moins, et en termes de longévité. C'était pas pareil. Donc avant Nuh, une génération vivait de longs siècles. Et de ce point de vue, il y aurait entre Adam et Nuh des milliers d'années. Wallahu ta'ala, a'lam. En résumé, Allah ta'ala a envoyé Nuh lorsque les statues et les idoles furent adorées. D'accord ? Je me rappelle, c'était le commentaire du frère Ford. Il a dit, c'est le premier comme ça qui a son peuple qui est tombé dans l'adoration des statues et des idoles. Et Nuh, il est venu pour régler cela, mais on va dire, clarifier cela, appeler les gens à Tawhid. Naam. Il suit après Adam. Premier qui a eu un message. Naam. A envoyé un peuple. Donc, Adam, Naam. Les générations, a priori de ce qu'on sait maintenant, Wallahu A'lam, tout sur l'islam. Puis vient l'adoration des statues et des idoles. Donc là, on n'est plus sur Din al-Islam. Les gens ont dévié. Donc Nuh, parce qu'il y a une raison pourquoi Allah Ta'ala il envoie des livres et des messagers. C'est pour rectifier les gens. Les statues donc et les idoles furent adorées et les gens tombaient dans l'égarement et la mécréance. Allah l'envoya donc par miséricorde pour les hommes et il fut le premier messager envoyé aux habitants de la terre, comme le diront les gens lorsqu'ils seront réunis au jour de la résurrection. Naam, Yawm al-Qiyamah. Ils se tourneront en premier vers Nuh et Naam. Les gens sont conscients de cela. Il est le premier à avoir été envoyé aux êtres humains. Son peuple
s'appelait Bani Rasib. Bani Rasib, comme l'a rapporté Ibn Jarir et d'autres. Les savants ont ensuite divergé sur son âge au moment de la prophétie. Certains ont dit qu'il avait 50 ans lorsqu'il a commencé à prêcher, du moins quand il a reçu la révélation. D'autres qu'il avait 300 ans et d'autres encore qu'il avait 480 ans. Ibn Jarir, qui a rapporté ces trois avis, attribue le dernier à Ibn Abbas. Radiallahu anhu, wallahu a'lam. Le récit, voir maintenant, Yanni, après ce chapitre-là, le récit de Nuh dans le Coran. En de nombreux endroits du Coran, Allah Jalla wa'ala a raconté son récit, sa relation avec son peuple. Le déluge qui s'est abattu sur ceux qui l'ont renié. Ça, en général, c'est connu de toutes et tous. Quand on évoque Nuh, on se rappelle du déluge, de l'arche. Même chez les chrétiens, comme ça, ils en parlent, l'arche de Noé, etc. D'accord ? D'ailleurs, une phrase de l'imam Malik à ce sujet. La sunna, c'est l'arche de Noé. Quiconque y monte est sauvé. Quiconque monte dans l'arche de Nuh, Nuh, à l'époque, bien sûr, était sauvé. Mais il venait de là. Sinon, il croulait sous le déluge. D'accord ? L'imam Malik, rahmatullah alayhi, il a dit, la sunna, c'est comme l'arche de Noé. Quiconque y monte, quiconque s'accroche à la sunna, il est sauvé. Sinon, il va crouler sous le déluge aussi. C'est une métaphore, bien sûr. Donc, en de nombreux endroits du Coran, Allah a raconté son récit, sa relation avec son peuple, le déluge qui s'est abattu sur ceux qui l'ont renié, et le salut qu'Allah lui accorda, ainsi qu'à ceux qui prirent place dans l'arche. C'est-à-dire, Allah lui a fait miséricorde, hein? Ainsi que quoi? Ainsi qu'à ceux qui l'ont suivi. Et ils étaient peu. À ce propos, Allah Ta'ala a dit dans le sens de la sourate Al-A'raf, nous avons envoyé Nuh vers son peuple. Il dit, ô mon peuple, adorez Allah. Vous ne devez adorer aucune divinité, si ce n'est lui. Je crains pour vous le châtiment d'un jour terrible. Les notables de son peuple dirent, nous te voyons dans un égarement évident. Il dit, ô mon peuple, je ne suis pas dans l'égarement, mais je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Je vous communique les messages de mon Seigneur et je vous adresse un conseil sincère. Et je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Est-ce que vous vous étonnez qu'un rappel vous vienne de votre Seigneur à travers un homme issu de vous pour vous avertir et vous protéger de son châtiment afin que la miséricorde vous soit accordée? Non, les gens s'étonnaient de ça. Vous étonnez? Ce soit un homme parmi vous. C'est aussi une des raisons, comme ont rapporté les ulama, qui fait que les gens s'enorgueillissent. Comme pour Mohammed, comme pour les autres messagers aussi. C'est-à-dire, allons-nous suivre une personne comme ça, qui est parmi nous, et c'est du kibr. Peu importe, il a la vérité, il a le message. Mais il est parmi nous. Pourquoi ça n'a pas été un notable? Pourquoi ça n'a pas été moi, ou lui, ou un autre? Non, pourquoi c'est lui? Non, donc ça c'est le kibr qui leur fait rejeter la révélation. Non, je poursuis. Et ils le traitèrent donc de menteur. Or, nous le sauvâmes, lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche. Et noyâmes ceux qui traitaient de mensonges nos preuves claires. Ils étaient vraiment des gens aveugles. Donc ça, c'est dans cette surah, Naam, et également dans surah Yunus, justement. On parle de Nuh, aussi dans surah Hud, Naam. Raconte-leur l'histoire de Nuh, quand il dit à son peuple, ô mon peuple, si mon long séjour parmi vous et mon rappel des signes d'Allah vous pèse trop, sachez que c'est en Allah que je place ma confiance. Concertez-vous avec vos associés et ne cachez pas vos desseins. Puis tranchez sur mon sort et ne m'accordez pas de répit. Si vous vous détournez de moi, alors que je ne vous ai pas demandé de salaire, sachez que ma récompense n'incombe qu'à Allah et il m'a été ordonné d'être du nombre des soumis. Ils le traitèrent de menteur. Nous le sauvâmes, lui et ceux qui étaient avec lui dans l'arche, desquels nous fîmes les successeurs sur la terre, et nous noyâmes ceux qui traitaient de mensonges nos preuves. Regarde quelle fut la fin de ceux qui ont été avertis. Et dans Sourate Hud, justement ici, il y a bon nombre de versets. On va les citer dans le sens. Et nous avons envoyé Nuh à son peuple, et il dit, je suis pour vous un avertisseur explicite. N'adorez donc qu'Allah, sinon je crains pour vous le châtiment d'un jour douloureux. Les notables de son peuple qui avaient mécru dirent alors,
Nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous. Ce que je vous disais tout à l'heure. Nous ne voyons en toi qu'un homme comme nous. Et nous voyons que seuls te suivent sans réfléchir les plus vils parmi nous. Les pauvres. Mesakina. Et nous ne voyons en vous aucune supériorité sur nous. Au contraire, nous pensons plutôt que vous êtes des menteurs. Il dit, ô mon peuple, pensez-vous que si je me conforme à une preuve de mon Seigneur et qu'il m'a accordé une miséricorde de sa part à laquelle vous êtes aveugle, nous devrions vous l'imposer alors que vous la répugnez? C'est-à-dire là, la koum dinoukoum waliyadin. Moi je t'appelle, tu veux pas entendre l'appel? Halas. C'est ce que ça signifie. Je peux répéter les choses, mais on peut pas forcer les gens. C'est ce que ça signifie. Nous devrions vous l'imposer alors que vous la répugniez? Non, ô mon peuple, je vous demande pas d'argent en retour. Je ne vous demande pas d'argent en retour. Ma récompense n'a comme qu'à Allah. Je ne repousserai point ceux qui ont cru. Ils auront à rencontrer leur Seigneur. En fait, je trouve que vous êtes un peuple d'ignorants. Ô mon peuple, qui me secourra contre Allah si je les repousse? Ne me dites, tais-vous pas. Et je ne vous dis pas que je détiens les trésors d'Allah, ni que je connais les choses cachées. Et je ne dis pas que je suis un ange. Et je ne dis pas non plus aux gens que vous méprisez, Allah ne vous accordera jamais aucune faveur. Allah connaît mieux ce qu'il y a dans leurs âmes. Si je leur disais cela, je serais du nombre des injustes. Ils dirent alors, ô Nuh, tu as débattu avec nous et multiplié les discours. Apporte-nous donc ce dont tu nous menaces, si tu es du nombre des véridiques. Ils ont appelé le châtiment. Eux. Ils ont dit, amène le châtiment si tu es du nombre des véridiques. Il dit, c'est Allah seul qui vous l'apportera, s'il veut. Et vous ne saurez y échapper. Et mon conseil ne vous profiterait pas au cas où je voulais vous conseiller et qu'Allah veuille vous égarer. Donc là, on a la notion Allah guide qui veut, égare qui veut. Non, c'est pas toi qui choisis. Tu peux dégosiller à rappeler une chose à quelqu'un, il veut pas comprendre, il veut pas admettre, il veut pas cheminer sur cela, tu peux rien faire. Non. Et une personne même, tu lui as jamais parlé, s'il veut Allah, il le guide, il va le guider cette personne-là. Non, au cas où je voulais vous conseiller, qu'Allah veuille vous égarer. Il est votre Seigneur, et c'est vers lui que vous serez ramenés. Ou bien disent-ils, il l'a inventé. Dis, si je l'ai inventé, que mon crime retombe sur moi, et je suis innocent de vos crimes. Et il fut révélé à nous de ton peuple. Il n'y aura pas plus de croyants que ceux qui ont déjà cru. C'est-à-dire, khalas, les croyants qui sont avec toi aujourd'hui, il n'y en aura pas plus que cela. Ça ne va pas s'ajouter. Tous ceux-là aujourd'hui qui te méprisent, aucun parmi eux ne va croire. Allah Ta'ala décrète, révèle ça. Non, il n'y en aura pas d'autres. De ton peuple, ô Nuh, il n'y aura pas plus de croyants que ceux qui ont déjà cru. Ne t'afflige donc pas de ce qu'ils faisaient. C'est des gens voués à la perte et au feu. Et construis l'arche sous nos yeux et d'après notre révélation. Donc Allah lui a inspiré, révélé même, de construire cette arche, cette embarcation. Et ne m'interpelle plus au sujet des injustes, car ils vont être noyés. C'est-à-dire, khalas, décret. Là, il a décrété que ces gens-là ne vont pas suivre, ne vont pas croire, ne vont pas monter dans l'arche. Ils vont être noyés, point. Et Nuh, il construisait l'arche. Et chaque fois que des notables de son peuple passaient auprès de lui, il se moquait de lui. Et il dit, si vous vous moquez de nous, alors nous nous moquerons de vous, comme vous vous moquerez. Voyez, qu'est-ce qu'on se rappelle aussi? Être délil. Par rapport à la moquerie des associateurs et des innovateurs. D'où le fait qu'il est permis. Encore une fois, on peut s'appuyer sur cela. D'accord? Chaque fois que des notables de son peuple passaient auprès de lui, il se moquait de lui. Il a dit, si vous vous moquez de nous, alors nous nous moquerons de vous, comme vous vous moquerez. Et vous saurez bientôt à qui viendra un châtiment qui l'humiliera et sur qui s'abattra un châtiment durable. Hein? Ça pour l'histoire de Nuh, et aussi pour vous rappeler concernant le point sur les Hizbi, les associateurs, etc. Comme je répète, c'est pas se moquer pour être pittoresque, c'est pas faire le clown. Hein. C'est pas se moquer dans ce sens-là. C'est plus dans un sens de dénigrement justifié. Tu te moques de moi, je me moque de toi aussi. Et c'est moi qui ai raison de me moquer de toi puisque tu es dans l'égarement. Non. Un châtiment durable. Puis lorsque notre commandement vint et que le four se mit à bouillonner d'eau, nous dîmes, charge dans l'arche un couple de chaque espèce et ta famille, sauf ceux contre qui le décret a déjà été prononcé, c'est-à-dire sauf ceux qui n'ont pas cru.
même au Nour si c'est des gens de ta famille. C'est ça qu'il lui dit. Il lui dit même Nour si c'est des gens de ta famille, proches de toi. Mais ils n'ont pas cru. Relâche le décret, c'est fini, il n'y aura pas d'autres croyants. Eux, tu les laisses ici. Dont son fils. Non. Dont son fils. On voit donc que ce n'est pas une question de femme, d'enfant, de père, de mère. Il y a les croyants, il y a les mécréants. C'est ça, Yanni, qu'il y a à prendre en considération. Bien sûr, il y a les liens, mais Yom Kiyama, il n'y aura plus ça. Et là, par rapport à l'arche, c'était pas Yom Kiyama, bien évidemment, mais c'était, il y avait une scission. Ils allaient tous être engloutis. Donc, Noah, il lui a été demandé, Naam, charge dans l'arche un couple de chaque espèce et ta famille, sauf ceux contre qui le décret a déjà été prononcé, ainsi que donc ceux qui croient, même qui ne sont pas ou ta famille. Et ceux qui avaient cru avec lui étaient peu nombreux. Il dit embarquez, que sa course et son point d'ancrage soient au nom d'Allah. Bismillah. Naam. Certes, mon Seigneur est pardonneur et miséricordieux. Et elle voga, cette arche, en les emportant au milieu des vagues, aussi hautes que des montagnes. Et Nour appela son fils, qui restait en un lieu écarté, non loin de l'arche. Il a dit, oh mon fils, monte avec nous. Il a essayé. Ça c'est l'arme des sentiments. Sentiments, c'est son fils. Bien qu'Allah lui ait déjà prévenu. Il n'y aura point de croyants après ceux qui ont déjà cru. Cela, leur cas, leur cœur et leur cas sont scellés. Ils vont être engloutis, ils vont périr. Naam, le décret a été prononcé déjà. Nour, c'est les sentiments. Naam, c'est pas un dénigrement du prophète Nour, attention. Hein. C'est simplement rappeler, c'était un homme. Les sentiments donc, il appela son fils, qui restait en un lieu écarté, non loin de l'arche. Oh mon fils, monte avec nous, et ne reste pas avec les mécréants. Naam, il répondit, je vais me réfugier sur un mont qui me protégera de l'eau. C'est-à-dire, j'ai pas envie de venir avec toi, mais j'ai encore envie de sauver ma peau. Donc il s'est dit, je vais me mettre sur un endroit élevé et je vais être ainsi être préservé de l'eau. Mais non, même cet endroit élevé, ce mont, va être englouti. Il n'y avait que l'arche. Mais c'était trop tard. Et le décret avait déjà été prononcé. Un mont Naam qui me protégera de l'eau. Nour lui dit, il n'y a aujourd'hui aucune protection contre l'ordre d'Allah. C'est-à-dire, à part l'arche. Tous périront, sauf celui à qui il aura fait miséricorde. Et une vague s'interposa entre deux. Et le fils de Nour se noya. Il fut dit, ô terre, absorbe ton eau, et toi, ciel, cesse de pleuvoir. L'eau baissa. L'ordre fut exécuté, et l'arche s'échoua sur le mont Djoudi. Et il fut dit, que disparaissent les gens pervers. Et Nour invoqua son Seigneur et dit, ô Seigneur, mon fils est de ma famille, et ta promesse est vérité. Tu es le plus juste des juges. Il s'est soumis. Son fils pourtant venait d'être englouti, tué, Naam, mais il s'est soumis. Allah est le plus juste des juges. Son fils n'aurait jamais cru. Donc Nour était bel et bien du nombre des soumis, Naam. Il dit, oh Nour, il n'est pas de ta famille. C'est Allah qui lui répond. Allah lui dit, oh Nour, il n'est pas de ta famille, car il a commis un acte infâme. Qu'est-ce que ça veut dire, il n'est pas de ta famille? C'est-à-dire la famille des croyants. Bien sûr, il est de sa famille, Naam. Mais il n'est pas de ta famille, il n'est pas de ton clan. Il n'est pas de ta voix. C'est dans ce sens-là que ça veut dire, Naam. Il n'est pas de ta famille car il a commis un acte infâme. Me renier. Ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Allah Ta'ala, blâme, si je puis dire. Non, ne me demande pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Il n'est pas des tiens. Je t'exhorte à ne pas faire partie des ignorants. Allah Ta'ala poursuit, donc, dit à nous de ne pas le questionner sur les choses sur lesquelles il n'a pas de connaissance. Allah l'exhorte à ne pas faire partie, donc des ignorants. On voit donc que c'est les ignorants qui font ces choses-là. Alors Nour dit, Seigneur, je cherche ta protection contre toute demande de ce dont je n'ai point connaissance. Donc il s'est aussitôt repenti et soumis. Et si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai du nombre des perdants. Soumission, reconnaissance de la faute comme Younous. La ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Et encore, hein, on voit le genre de désobéissance des prophètes. Pour nous, ce serait minime. C'est même insignifiant, on ne s'en rendrait même pas compte. Pour eux, c'était très grave. Pour eux, cette chose-là, c'était très grave. Ils se repentaient d'un repentir sincère et immédiatement. Hein? C'est ça qu'on dit, est-ce que les prophètes, les messagers ont commis des péchés? Oui. Pas les grands. Pas les kabaïrs. Pas les perversités. Pas tout ça. Mais parmi les petites fautes, nah, comme ça, ils se repentaient immédiatement. D'un repentir sincère, il ne persistait pas dans le petit péché.
mais ils ont commis des petits péchés. Non. Et si tu ne me pardonnes pas et ne me fais pas miséricorde, je serai au nombre des perdants. Il fut dit, ô Nuh, débarque avec notre sécurité et nos bénédictions sur toi et sur des communautés issues de ceux qui sont avec toi. Et à d'autres communautés, nous accorderons une jouissance temporaire, puis un châtiment douloureux venant de nous les touchera. Voilà quelques nouvelles, des choses cachées que nous te révélons. Tu ne les connaissais pas, ni toi ni ton peuple, c'est-à-dire Mohammed, avant cela. Sois donc patient. La fin heureuse sera pour les pieux. Donc il révèle l'histoire de Nuh à Mohammed, Allah Ta'ala. Et il lui dit, à la fin, il le réconforte. Tu ne connaissais pas ça, hein, toi, ni ton peuple. Donc je t'explique. Sois donc patient, la fin heureuse sera pour les pieux. Non. Nuh est réellement beaucoup cité dans le Coran, un point tel que là, on terminera le cours et on fera même un autre cours simplement sur les passages de Nuh dans le Coran. On est page 103, il y en a jusqu'à page 116, avant de reprendre les propos d'Ibn Kathir. Ce sera que des versets, dans le sens, bien sûr, mais ce sera que des versets, traduction du sens approximatif des versets, pendant, il y en a 13 pages. Et on ne pourra pas finir ça ce soir, donc même ça fera l'objet d'un prochain cours. Nuh est beaucoup cité dans le Coran. Là, son histoire est importante. Allah Ta'ala dit aussi dans le sens, Surat al-Anbiya, et Nuh, lorsqu'il nous invoqua auparavant, nous l'avons exaucé et nous l'avons sauvé, ainsi que sa famille de la grande angoisse, c'est-à-dire par rapport au déluge. Nous l'avons secouru contre le peuple qui traitait nos miracles de mensonges. C'étaient des gens mauvais, nous les avons tous noyés. Dans Surat al-Mu'minun également, nous avons envoyé Nuh vers son peuple. Il leur dit, ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez pas d'autre divinité digne d'adoration en dehors de lui. Ne le craignez-vous pas? Les notables de son peuple qui avaient mécru dire, ce n'est qu'un notable de son peuple qui a... Excusez-moi. Les notables de son peuple qui avaient mécru dire, ce n'est qu'un homme... J'ai sauté une ligne. Ce n'est qu'un noble... Un homme, pardon, décidément, la fatigue, les yeux. Ce n'est qu'un homme comme vous qui veut vous surpasser. Si Allah l'avait voulu, il aurait envoyé des anges. Jamais. C'est-à-dire à la place, pourquoi un homme? Allah a voulu que ce soit un homme de ce peuple-là. Allah veut que ce soit un homme de ce peuple. Si Allah il avait voulu leur envoyer qui? Une personne qui n'est pas du peuple, ou voir un ange. Mais Allah a voulu que ce soit justement en guise de test, pour voir si les gens se soumettent à la vérité avec humilité. En guise de test, il a envoyé un homme parmi les gens, il y a du peuple, un homme qui fait partie de ce peuple-là. Non. Il y a une sagesse en cela. Si Allah l'avait voulu, il aurait envoyé des anges. Jamais nous n'avons entendu une telle chose chez nos ancêtres. C'est ce qu'ils disent déjà. Hein? S'il avait voulu nous révéler quelque chose, Allah aurait envoyé des anges. Il aurait pu, subhanahu wa ta'ala, mais non. Jamais nous n'avons entendu une telle chose chez nos ancêtres. Encore une fois, ils se réfèrent à leurs anciennes croyances, à leurs ancêtres. Ils disent, ce n'est qu'un homme possédé. Laissez-le donc quelque temps jusqu'à ce qu'il meure. Nuh dit, Seigneur, aide-moi contre eux car ils me traitent de menteur. Nous lui avons alors révélé, construis l'arche sous nos yeux et selon ce que nous t'avons révélé. Lorsque notre ordre viendra et que la terre bouillonnera, fais monter à bord de l'arche un couple de chaque espèce ainsi que ta famille, sauf ceux d'entre eux qui sont contre la parole. Excusez-moi, sauf ceux d'entre eux. Ah, mais j'ai encore sauté une ligne. Excusez-moi, c'est vraiment la fatigue. Fais monter à bord de l'arche un couple de chaque espèce, ainsi que ta famille, sauf ceux d'entre eux. Contre qui? La parole a déjà été prononcée. Ne m'implore pas pour sauver les injustes, car ils seront noyés. Lorsque tu seras installé dans l'arche, toi et ceux qui t'accompagnent, dis louange à Allah qui nous a sauvés de ce peuple injuste. Et dis... « Seigneur, fais-moi débarquer en un lieu béni. Tu es celui qui procure le meilleur débarquement. Il y a en cela des signes et certes, nous les avons éprouvés. » Non. Excusez-moi pour
les petites bévues dans la lecture, c'est les yeux là. Non. Je lis rarement autant. D'une traite, je veux dire. Habituellement, je lis quelques lignes, j'explique, je lis quelques lignes, j'explique. Et là, je suis fixé depuis. Non. Et avec l'heure tardive, j'ai commis quelques bévues. Mais vous avez compris. Non. Allah aussi dit dans Surat Ash-Shu'ara, le peuple de Nuh traita les messagers de menteurs. Lorsque leur frère Nuh leur dit, ne craignez-vous pas Allah. Je suis pour vous un messager digne de confiance. Craignez donc Allah et obéissez-moi. Je ne vous demande aucun salaire pour cela. Ma rétribution n'incombe qu'au Seigneur de l'univers. Craignez donc Allah et obéissez-moi. Ils répondirent, croirons-nous en toi? Alors que ce sont les plus misérables qui te suivent, il dit, je ne sais pas ce que cela faisait. Leur compte n'incombe qu'à mon Seigneur. Si seulement vous étiez conscients, je ne suis pas celui qui repousse les croyants. Je ne suis qu'un avertisseur clair. Ils dirent, Nuh, si tu ne cesses pas, tu seras certainement du nombre des lapides. Donc ils l'ont menacé de mort. Ça aussi, petite parenthèse, Inch'Allah. Par rapport aux épreuves dans le Dawah. Bien évidemment, les prêcheurs. Et au-dessus de ça, les savants. Et au-dessus d'eux encore, les prophètes, mes frères et sœurs. Être Dawah, c'est une chose difficile. Les épreuves qu'on peut rencontrer. Moi, petit prêcheur. Vous, peut-être pas prêcheur public, mais prêcheur au sein de vos amis, de votre famille. Vous essayez. Vous êtes aussi prêcheur. Non. Parfois, vous subissez quelques torts. J'ai reçu un message, je ne sais pas si la personne est connectée. Elle était connectée tout à l'heure et je crois qu'elle s'est déconnectée maintenant. Peut-être qu'elle est partie prier ou dormir. Elle me disait, je ne sais plus sur quelle masse elle a, sur quel point, sur quelle affaire, mais elle me disait, j'ai conseillé. J'ai pourtant conseillé ma famille et je leur ai dit, cette chose-là est interdite, c'est même cher, etc. Et à chaque fois que je veux parler de cette chose-là, à chaque fois que je leur fais le rappel, ils persistent, ils m'insultent, ils me traitent, je me mets finalement en colère. Il commet une erreur. On ne va pas se mettre en colère lorsqu'on fait des erreurs. Pas de cette manière-là en tout cas. Et comme on dit, ça vire au clash, etc. Et ça fait des disputes. Donc, non, ça veut dire, sa famille n'a pas accepté. Sa famille n'a pas accepté et elle lui fait les problèmes, elle lui fait les machakils. Ça, c'est bienvenu dans le Dawah. Tu ne pensais quand même pas que tu allais amener la vérité aux gens et qu'ils allaient te sauter dans les bras. Il y en aura quelques-uns qui seront très heureux et qui accueillent la vérité à bras ouverts. La plupart des gens vont te combattre de différentes manières. Donc lui ou elle, je ne sais pas, Yanni, c'est un frère ou une sœur, je crois que c'est une sœur, et Yanni est éprouvé par les critiques de sa famille, le ton monte, etc., même si je lui ai conseillé de ne pas partir en dispute lorsqu'elle prêche à sa famille, d'accord ? Mais elle est critiquée, ça arrive. Hein ? Ça, c'est votre quotidien, peut-être vous essayez d'amener des choses aux gens, ils vous rejettent, ou alors des fois on se moque de vous, etc. Parfois il y en a, c'est des coups. Non, il y en a, c'est des coups. Il y en a, on les accuse après à tort. On salit leur honneur. On se regroupe contre, etc. Hein? Cher Bilal, il a été emprisonné. Chez Saoudi, en plus. Les gens ne le savent pas. Ou peu le savent. Il a été emprisonné parce qu'il a été traité de Takfiri à l'époque. Imaginez. Cher Bilal, il a été accusé de Takfiri. Hein? Lorsqu'il était en Arabie Saoudite. Il s'est étudié là-bas. Non. Shirin El-Bani, on a tiré sur sa voiture. Hein? Certains, même des savants, ils ont été assassinés. D'accord? Donc, les critiques qu'on peut subir au quotidien, c'est moindre que ce que subissent, par exemple, ce que j'ai pu subir moi, et ce que je subis toujours. Walhamdulillah, on n'est pas dans la plainte. Hein. On n'est pas dans la plainte, dans les larmichettes, etc. C'est pour vous dire, pensez à ceux qui sont dans le da'wah, à plus ou moins haut degré. Et dites-vous bien, on sera tous éprouvés sur cette voie. Toi, puis moi, puis les plus grands prêcheurs, puis les savants, puis les plus grands savants, puis quoi? Les prophètes et le plus éprouvé, Mohammed ibn Abdillah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous, ils ont menacé de le tuer, comme ils ont voulu faire Ibrahim. Hein?
Il n'y a pas une personne qui va venir comme ça avec la vérité et qui va être du nombre des bien accueillis. Les gens, pour se regrouper, les gens de différents bords d'ailleurs, les gens de différents bords, et tous ceux qui rejettent le message avec lequel arrive et vient le prêcheur, ils vont se regrouper contre lui, ils vont lui faire les pires misères. Et chacun est éprouvé en fonction de sa foi. Pourquoi les savants et les prophètes ont été plus éprouvés dans le Dawa? Tout simplement parce qu'ils sont plus sincères, véridiques, et ils ont plus de foi, ni plus ni moins. Elle est là l'explication. Nous, on est éprouvés par rapport à notre foi. Tu veux un dalil, tu veux un peu jauger ta foi, entre guillemets, si je puis me permettre. Hein? Tu veux jauger un petit peu, on ne sait jamais exactement, mais un peu voir. Fais de Dawa, si tu en as les capacités bien sûr, et vois à quel point tu peux être éprouvé. Ça, c'est un dalil de ta foi. Tu seras certes éprouvé en fonction de ta foi. Attention à la Shubha. Toujours. Il y a toujours une ambiguïté amenée par les gens de l'innovation. Eux, ils vont prêcher le faux, ils vont être certes très éprouvés. Mais ce n'est pas une épreuve, c'est un châtiment. C'est vrai. Les takfiris, ils sont en prison. Les rames sont en prison. Ils vont dire, Subhanallah, nous prêchions le haq. Nous voulions élever haut la parole d'Allah. Menteur ridicule. Menteur ridicule, je dis. Et je le redis, ils sont des menteurs ridicules. Ils ont semé le chaos, ils ont été châtiés. Vous comprenez? Et pas ni une épreuve, d'élévation, etc. Non. De même. Hein? Va réfuter tel, un tel, un tel, un tel, un tel. Parmi ceux que j'ai déjà réfutés, ils vont dire, c'est bon signe, nous sommes sur la voie d'Al-Haq. Pourquoi? Parce que nous sommes, soi-disant d'après eux, éprouvés. Les gens se réunissent contre nous. Là, non. Là, c'est pas correct. Le dalil, pour savoir si l'acharnement que tu subis dans le da'wa est une épreuve ou bien un châtiment, c'est ta da'wa. Est-ce que c'est une da'wa de vérité ou une da'wa du faux? Vous avez compris. C'est pas un takfiri, il arrive et tout le monde se ligue contre lui, il dit « Ah, je suis sur le haq parce que je suis éprouvé. » Parce que dans ce cas-là, t'as des chrétiens aussi qui vont être éprouvés. Dans ce cas-là, t'as aussi des athées qui vont être éprouvés. Tu as aussi des ahbash qui sont éprouvés. Tu as aussi des gens comme Eman Teher qui sont éprouvés, et d'autres. Et donc quoi? On va dire qu'ils sont sur la voie des messagers et qu'ils prêchent le même message qu'eux. Là, Ebeden. Vous avez compris la nuance? Mais si tu as révisé ta niya et ton message il est bon, il est en concordance avec ce que prêchent les ulama et tu es éprouvé, là c'est une épreuve dans le sentier d'Allah. Et là, plus l'épreuve est grande, plus ça a un rapport avec ta foi. Plus ta foi sera grande, si l'épreuve est grande, dans ce sens-là. Donc là, il y a une ambiguïté. Il faut faire attention, puisqu'il y a des gens qui mettent comme ça les choubhats dans la tête des autres. Et c'est comme ça qu'ils en viennent les gens à adhérer. Enfin, adhérer, c'est un grand mot, mais à défendre. Adhérer, c'est vraiment un grand mot. C'est pas qu'ils aiment beaucoup les gens de Daesh, mais ils disent quand même, ils sont très éprouvés, hein, Naam, ils ont fait Dawa, et regarde, hein, Allah n'éprouve-t-il pas ceux qu'il aime, et ils sont dans le sentier d'Allah, et ils regardent pourtant. Non. Ça n'a rien à voir. Eux, ils sont éprouvés ou châtiés plutôt parce qu'ils ont semé le chaos et le trouble sur terre. À aucun moment, c'est par rapport à leur foi. À aucun moment, c'est parce qu'ils se sont mis dans la fitna. Et à aucun moment, c'est par rapport au bien qu'ils ont fait. C'est pour élever leur da'wa. Pas du tout. Elle vaut rien du tout. Hein? Elle vaut strictement rien. Donc faites bien la différence. Si vous voyez un prêcheur, parce qu'il y a différents types de prêcheurs, mais un prêcheur, soit au bien, soit à l'égarement, comment les différencier? Une personne en tout cas qui prêche et qui serait éprouvé, vous voyez le contenu de cette da'wa. Hein? Et plus les gens ont une foi, et plus les gens prêchent al-haq, plus ils seront éprouvés. Noah, Yanni, a certes été menacé, ils lui ont dit, tu seras certainement du nombre des lapidés. Il a dit alors, ô Seigneur, mon peuple me traite de menteur. Juge donc clairement entre eux et moi, et sauve-moi ainsi que les croyants qui sont avec moi. Nous le sauvâmes donc, de même que ceux qui étaient avec lui dans l'arche chargée de toutes les espèces. Puis nous noyâmes le reste des mécréants. Voilà un signe évident, mais la plupart d'entre eux ne croient pas. Ton Seigneur est vraiment le puissant, le très miséricordieux. Naam. Et bien, Inallah Azzawajal, on va s'arrêter là pour ce soir. Et je vais prendre Inch'Allah après vos questions, si vous en avez. On reprendra. Inch'Allah, donc mardi prochain, avec la suite hein, dans le chapitre
le récit de Nuh dans le Coran, tout ce qui est rapporté dans le Coran par rapport à Nuh alayhi salam. On va en page 106 avec deux versets de Surat Al-Ankabut. Wallahu ta'ala a'lam wa ahkam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيكم. Est-ce que vous avez des questions inchallah sur ça ou sur autre chose? Non. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quelles sont les autres causes à faire bi'idhnillah pour approfondir notre compréhension religieuse? Bien évidemment, après avoir demandé à Allah Ta'ala de nous l'accroître, inshallah ta'ala, jazakallahu khairan. C'est ce que j'ai répondu à une personne cette nuit, je crois. Elle m'a dit, qu'Allah me préserve de l'ostentation, j'ai converti depuis plus de 5 ans, c'est ça? J'ai dit na'am. Elle m'a dit, tu as beaucoup de connaissances. J'ai dit, j'ai ce qu'Allah m'a donné, ni beaucoup, ni zéro. Il faut sortir de la fausse modestie, parce que ça sert à rien. Dire non, je ne connais absolument rien de la religion, bah dans ce cas-là, pourquoi tu prêches? Donc ce serait un non-sens, mais après, faut pas se croire ça non plus. Faut rester dans un juste milieu. J'ai dit, j'ai pas énormément de connaissances, mais alhamdoulilah, je différencie certaines choses, alhamdoulilah, na'am, Allah m'a accordé une clairvoyance. C'est la réalité, faut... Voilà, tout en faisant bien attention après à moi-je, quoi, ça, hein, quand on nous préserve. Mais elle me dit, tu es, donc, c'est-à-dire jeune converti, voilà, peut-être qu'elle, elle connaît des convertis de 25 ans, ou hein, 20 ans de conversion, 15 ans de conversion, qui, c'est la vérité, n'aurait pas le dixième du quart de mes connaissances, les miennes ou ceux d'autres, hein, même les vôtres, hein. Là, ça arrive, il y a des gens, hein, ça fait 15 ans ils sont convertis, ils savent toujours pas prier, il y a un problème, tu lui demandes d'expliquer la ilaha illallah, il sait pas. Alors que nous, on a quoi? Des gens aujourd'hui, ils se convertissent à l'islam, 3 semaines, 1 mois, 2 mois plus tard, ils sont déjà au courant de la ilaha illallah. Parce qu'ils rentrent dans tel milieu directement, ils veulent apprendre. Donc ça, c'est ce que je lui ai dit. Première des choses, écoutez, je vais vous lire la réponse que je lui ai donnée. C'est même pas par fainéantise, c'est parce que ce que j'avais écrit, c'était correct. C'était correct. Je lui ai dit. Ah voilà, c'était même, voilà. Et tu as appris comment être tawhid. Tu as énormément de connaissances pour un converti de plus ou moins 5 ans. Donc comme je dis, hein, au niveau des connaissances, énormément. Je retirerai énormément, mais j'ai quelques connaissances, walhamdulillah. J'ai dit tout d'abord, Allah facilite. Donc ça, c'est ce que tu soulignes, Nora. On demande à Allah de nous accroître une compréhension religieuse. Allah facilite. Puis j'ai dit, et il faut aussi faire les causes. Yani, y mettre de la volonté. Car en 5 ans, j'ai dit, on peut apprendre bien des choses, à condition, 1, que Allah facilite, et 2, d'être motivé. Donc oui, j'ai appris, et oui, aujourd'hui, j'enseigne. Et j'ai appris, on me demande comment tu as fait, via les cours et les livres des savants et étudiants de la Sunna. Et j'ai dit, il faut se motiver, c'est comme pour tout, on n'a rien sans rien. Voilà ma réponse que je donne à cette personne-là, et voilà ce que je te transmets ici. C'est pareil, c'est la même chose. Demande à Allah de t'accroître. Rabbi zidni ilman, Allahumma zidni ilman. Oh Allah, rajoute-moi de la science. Non, au Seigneur, rajoute-moi de la science. Fais les causes. Fais les causes. Sois sincère, sois motivé. Qu'est-ce qu'on peut répondre d'autre? Comment approfondir la compréhension religieuse? En rentrant dans les détails. En écoutant plus de doros. En cherchant à pénétrer dans les détails d'une question religieuse et non pas la survoler. En fait, il faut aimer cette science. Je l'avais déjà fait dans une vidéo. Je ne sais pas si vous l'avez vue. Je ne sais plus c'est quoi le titre, mais par rapport à la science, il faut donner de l'amour, du respect. La vidéo s'appelle « Le respect dû, oui, à la science et aux gens de science ». En fait, il faut aimer ça, il faut être passionné, mais dans le bon sens du terme, hein, passionné de cette science. Pas en tant que hobby, hein, ce n'est pas une passion du dimanche, hein, non, loin de là. Réellement, il faut quand tu rentres sur une messe à la, sur une affaire, tu n'as pas envie d'en sortir. Il faut que je comprenne ça, ce point-là, mais pourquoi il y a ça? Mais ça, c'est quoi? Il faut que je me procure un livre qui explique cette question-là. Il faut que j'interroge quelqu'un sur cette question-là. C'est une bonne curiosité. C'est pas la mauvaise curiosité quand j'ai fait un audio pour blâmer les petits curieux d'Internet qui vont cliquer partout et pour rien et qui se retrouvent finalement à s'égarer parce qu'ils écoutent des propos de gens de l'innovation. Non, non, une curiosité saine. D'abord, les oussouls,
Tawhid, ou Sunna, les bases. Puis après, tu maîtrises certaines choses et tu sais ce que tu demandes. Hein. Comment approfondir sa compréhension religieuse? Comment l'approfondir? La réponse est dans la question. Comment approfondir sa compréhension religieuse en approfondissant sa compréhension religieuse? Ça peut paraître stupide comme réponse, mais c'est la réalité. Comme j'ai répondu, on n'a rien sans rien. Tu veux, Yanni, être plus... Je cherche un autre exemple dans le dunya. Être plus endurant au niveau du cardio dans la course à pied, comment faire? En faisant plus de cardio. Il n'y a pas de secret. Donc, un sujet X, Y, tu cherches à comprendre. Mais vraiment dans le détail. Tu cherches, tu te dis, personne qui étudie en science, à connaître les divergences sur cette question-là. Les argumentations des LM. Peut-être même il y aura un livre, seulement tu vas acheter un livre. Tu cherches les livres parmi les grands, ce qu'ont laissé les grands savants. Un livre qui traite d'un seul point, d'une question, d'une divergence. Et à l'avis du savant à ce sujet, tu cherches, ça t'intéresse. Si tu veux pas te procurer le livre, Inch'Allah, parfois, il y a des douros. Ou bien tu écoutes des cours d'étudiants qui ont clarifié ces choses-là. Et tu notes, et tu apprends, et tu révises, et tu t'enrichis. Et à la fin, tu vas approfondir ta compréhension religieuse, au-delà bien sûr, et avant toute chose, de demander qu'Allah t'accorde de la sagesse et de la science. On a besoin des deux. Donc tu dis qu'Allah, oh Allah, accorde-moi de la sagesse et de la science, et ensuite tu entreprends les causes. Tu fais de vraies causes. Si tu es sincère et vraiment amoureux de cette science-là, tu lui donnes du temps, comme j'ai dit, tu utilises une bonne curiosité, tu cherches vraiment à comprendre, forcément que ta compréhension va s'approfondir. C'est évident. Comme celui qui court 3 à 4 fois par semaine, le niveau du cardio va tenir mieux qu'une personne qui court une fois de temps en temps. Donc il faut venir là sans donner les moyens, comme on dit. Il faut le vouloir un petit peu. Et puis voilà, c'est là qu'on va différencier les gens qui aiment vraiment d'une personne qui aime, hein, mais sans plus. Plus tu vas être dans le nez dans les livres, plus tu vas être les oreilles dans les douros, plus tu vas te poser des questions. Faut aimer, faut chercher, faut... J'ai dit, c'est comme pour tout, on n'a rien sans rien. En fait, ça résume tout. Hein. Là, je n'ai pas l'arbre, mais on s'est compris. Hein. Fais en sorte d'approfondir tes connaissances. Voilà. Fais les efforts pour, et puis tu verras que Allah Azzawajal va te rajouter. On voit... j'ai vu des exemples entre des gens qui étaient vraiment investis, et est-ce qu'ils ont pu comprendre? Sans ostentation, je peux citer mon cas, aussi petit soit-il, et des gens qui ont pris ça juste comme ça, de manière superficielle, qui aujourd'hui n'ont pas de fiqh. Non, le fiqh, comme j'ai dit, c'est oui la jurisprudence, mais c'est utilisé aussi chez les ulama pour qualifier la compréhension religieuse. Je connais des gens qui ont plus d'années de conversion que moi, même plus d'années sur la salafia, mais qui quoi? N'ont pas de fiqh, n'ont pas de compréhension religieuse. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est pas de ma faute, hein. C'est de leur faute. Hein. Et moi, aussi petit soit ma personne, aussi petite soit ma personne, si j'ai pu avoir telle ou telle facilité dans la compréhension, c'est qu'à un moment donné, je l'ai voulu, j'ai dit, il faut y aller. Il faut que je me donne. Et quand Allah me préserve, alhamdoulilah, c'est rentré, et ça m'a plu. Et voilà, je l'ai aimé... J'aimais les règles religieuses, j'aimais lire telle et telle chose, j'aimais comprendre, j'aimais savoir un petit peu toutes les divergences sur tel et tel sujet pour mieux comprendre, non pas pour choisir la vie qui me facilitait, mais pour avoir plus de connaissances. Et on peut le voir, voilà, dans le cheminement entre celui qui a développé des efforts et celui qui n'en a pas développé ou moins développé. Wallahu ta'ala, a'lam, qu'Allah nous facilite, nous accorde plus de science et une bonne compréhension. C'est pas le tout d'en avoir plus. C'est de bien la comprendre. C'est pour ça qu'on dit Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a. C'est pas ilman tout court. Nafi'a, une science bénéfique. Taïb, barakallahu fik, j'ai une autre question, Inch'Allah. Oui. Qu'en est-il d'avoir été la cause de la conversion de ma cousine, Bi'idhnillah, qui par la suite, ses parents ont exigé de couper tout contact avec moi. J'ai appris récemment qu'elle n'est plus sur le din. Voilà, ya'a billah, que peut-on tirer, Inch'Allah? Ouais, c'est tu as fait ce que tu avais à faire à la base. Tu n'es pas responsable des frasques par la suite. Toi, tu as été une cause, tu as ouvert les yeux à une personne. Il se peut qu'elle revienne un jour sur Dine.
parce que là, c'est ses parents, de ce que je vois hein, du cas, c'est ses parents qui lui ont mis la pression. Ils ont fait du chantage, ils ont peut-être dû aussi la malmener, et ils lui ont même obligé de couper les contacts avec toi. Je pense qu'elle a été forcée, même si on doit s'attacher au dîn, mais elle devait avoir peu de connaissances religieuses, peu de foi, et elle a dû être forcée de quitter le dîn. Et j'ai bien dit, c'est pas une excuse. Hein. On ne peut pas dire, oui, elle reste musulmane parce qu'elle a été... Non, non. D'accord. D'ailleurs, tu dis, tu as appris qu'elle est plus sur le dîn. Qu'est-ce que tu en sais? Est-ce que tu sais ce qu'il y a dans son cœur et elle a apostasié de la ilaha illallah? Ou alors, pour toi, ne plus être sur le dîn, c'est elle ne met plus le voile. Simplement, tu l'as croisée et elle avait une jupe. Donc, une musulmane qui met une jupe, c'est une kafira? Non. Il se peut qu'elle n'ait pas abandonné le dîn à l'islam, mais il se peut, j'ai bien dit il se peut, je ne la connais pas. Donc, laisse-moi aller jusqu'au bout de mon argumentation, Inch'Allah. Il se peut qu'elle n'ait pas abandonné l'islam, mais qu'elle ait une foi si basse, et elle reçoit tellement de pression qu'elle l'a délaissée en apparence. Puis il se peut qu'elle ait remis une croix chrétienne et qu'elle a dit « je délaisse ce dîn et je me remets dans le christianisme ». Dans ce cas-là, là, c'est clair. Je ne connais pas son cas. Je ne connais pas son cas. Là. Mais de ce que je vois, elle a reçu beaucoup de pression. Et elle n'a pas su faire face, elle n'a pas été suffisamment savante, sincère, que sais-je. Et toi, tu as fait ce que tu as pu faire. Tu l'as éclairée sur le bon chemin à la base. Après, tu as été coupé d'elle, contre ton gré. Et après, voilà, les parents, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, et elle, son cheminement, son destin, et puis voilà. Qu'est-ce qu'il faut en déduire? Rien à en déduire. Est-ce qu'on peut en tirer? Rien. T'as fait ce que tu avais à faire. Tu n'es pas responsable de la suite des gens. C'est comme quand moi, je fais cours. Je donne le haq. Je ne suis pas responsable après de ce que les gens vont faire, pas faire, comprendre, pas comprendre. Moi, je suis tenu de bien expliquer. J'ai un tort si j'explique mal. Ou si je n'ai pas expliqué. Je n'ai pas donné d'explication ou j'ai mal expliqué. C'est pour ça que je me répète, je donne des détails, comme ça on ne me dira pas « Ahri, c'était pas clair, tu m'as mis des choubhats, c'est pas possible. » On peut ne pas m'aimer, mais alors dire que je mets des choubhats, moi, ce serait difficile. Ce serait vraiment... Je me reprends sur les expressions qui pourraient être ambiguës, je donne 25 exemples à chaque fois. On dit « Ouais, ce Qassim, il met vraiment des ambiguïtés, lui il prêche, mais c'est superficiel, on comprend rien. » Ce serait vraiment un beau culot, beaucoup de toupé. Voilà. Donc moi je suis responsable de ça. Maintenant la personne, si après elle veut pas comprendre ou elle va dans le sens opposé de ce que moi j'ai dit, je suis pas responsable, non là. Toi tu l'as appelée à l'islam, ou alhamdoulilah, tu seras récompensé par rapport à ça. Après elle dévie, elle veut pas, ou ses parents aussi, t'es pas responsable. Comment ça, tu vas être responsable de ce que les gens font ou ne font pas derrière? Non. T'es responsable de tes actions, pas de la suite. Non. Bah, parfois, on prêche à des gens, ils adhèrent. Parfois on prêche à des gens, ils se convertissent. Puis ils délaissent din, pas dans l'Allah. Puis des fois ils restent. Et alhamdulillah, ce qui compte, c'est ce que t'as fait toi. Wallahu ta'ala, a'lam qu'Allah nous facilite. Je dis wallahu ta'ala, a'lam wa ahkam, subhana rakahumma wa bihamdik, shadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayka. Inch'Allah, demain soir, pour un cours unique, pas double cette fois, juste sur Boulogh Mahram, comme le mercredi. Naam. Barakallahu fikum, wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. وبركاته